Bonjour, je m'appelle Dora, j'ai 76 ans et la première fois que j'ai entendu parler d'insuffisance cardiaque, c'était en mars 2023. Je savais moi qu'il fallait que je me pèse régulièrement, en particulier en ayant un risque d'œdème. C'était une des raisons pour lesquelles je me suis pesée au tout début, tous les jours, pour être sûre que je ne prenais pas du poids très rapidement à mon retour d'hospitalisation. J'ai une routine pour me peser. C'est après mon petit déjeuner et avant de prendre ma douche. Il me semble important de se peser régulièrement. Ce que je surveille, c'est 1. La fréquence cardiaque, 2. L'essoufflement, 3. Une très grande fatigue, et bien évidemment, on va revenir sur les œdèmes et sur la prise de poids qui est très rapide. Les œdèmes, on les reconnaît bien parce que quand on appuie dessus, la marque reste imprimée, et là, on sait que c'est un œdème. Quand on prend du poids rapidement, le conseil que moi je donnerais, c'est d'aller voir son médecin. Donc c'est ce que j'ai dit moi à mes amis qui ont eu leur insuffisance cardiaque après moi. Donc mon expérience a pu leur servir.